Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais ouvrir celle de boîte immobile Ever Bloomers. Je sais pas si ça se dit comme ça, donc je vais ouvrir celle de gauche. Donc c'est parti. Donc en premier on a une carte de Lady Nightmare, donc voilà. Ensuite on a le petit, pas mode d'emploi mais papier, ou je sais pas comment on appelle ça, il y a marqué tout ce qu'on peut avoir dans ce genre de boîte et dans le reste de la collection, parce que là j'ai la série 2 au lieu de la série 1, je crois que c'est ça. En fait je sais plus quelle série j'ai. Ouais, j'ai la série 1. Bon, donc on continue. Ensuite on a des autocollants. Voilà, donc c'est un autocollant de The Nightmare, encore une fois hein, du coup, ils n'avaient pas changé de personnage. Ensuite je pense que c'est tout. Ouais, donc on a c'est tout dans les accessoires. Enfin après on a le personnage lui-même hein. Donc le sachet avec le personnage. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir une fois que j'aurai fini de ranger tout ça bien sûr. Voilà, c'est bon. Hop, et ben, il est difficile d'ouvrir lui. Voilà, donc on a le personnage. Qu'est-ce que je vois? Donc voilà, donc on a un petit plat à tarte. Une tarte elle-même, donc ça au-dessus je pense. Ouais, voilà. Des parts de gâteau à la fraise. Donc ensuite on a ça c'est pour mettre sur le bracelet ou le collier. Donc le joint j'ai toujours pas servi, trouvé à quoi ça sert hein. J'ai réfléchi mais j'ai pas trouvé à quoi ça servait. Donc du coup hop, ouais, donc on a la part de gâteau qui se met là et donc je vais essayer de la mettre sur la spatule, enfin pour prendre les parts de gâteau. Et je, d'abord, avant ça, j'ai changé le sens du gâteau parce que je l'avais mis du mauvais sens. Donc voilà. Et maintenant, on va trouver la spatule pour mettre la part de gâteau. Ah bah non. En fait, on va juste... on va mettre la cape. Hop, on met la cape. Ensuite, on met son petit parapluie qui est très sympa, je trouve. Ça fait un petit peu canne, grand-mère. C'est ce qu'elle est, je pense, quand même. Hein. Ensuite, on a le petit bijou qu'on met sur le bracelet et ou le collier. Ensuite, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, donc la spatule, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, donc on met la petite part de gâteau sur la spatule. Je ne comprends pas pourquoi il y a deux spatules, mais c'est très bien quand même. Hein. Voilà, donc en fait c'est bien parce qu'il y a des petits... Il y a une forme, donc ça fait qu'on coince la part de gâteau et du coup elle bouge plus après. Voilà, donc là en fait je suis très lent, donc je vais accélérer tout ça. Donc voilà tout ce que j'ai eu dans cette première boîte. Des petites parts de gâteau. Voilà, donc j'ai un petit peu expliqué au fur et à mesure. Donc j'ai eu des autocollants, une carte, le personnage lui-même, la spatule et voilà. Donc on ouvre la deuxième boîte, c'est parti. Donc désolé, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai plus beaucoup de mémoire dans le téléphone, donc j'ai dû supprimer une vidéo de 7 minutes. Mais ça va, j'avais déjà mis sur YouTube sur la chaîne de mon frère. Donc du coup, on ouvre, c'est pour ça que ça a coupé d'ailleurs. Donc on ouvre le paquet. Donc j'ai les deux, ah oui, la carte et les autocollants. Un autocollant en plus, je pense que ça va sur le panneau là qui tient dans la main. Voilà. Ah donc c'est un personnage, ah oui, bon, voilà. Ouais, c'est super, c'est un déguisement, donc on peut le mettre à n'importe qui. Ah, je viens de recevoir une notification. La poule vient de sortir. Parce que aujourd'hui, nous sommes mercredi. Oh, j'ai mis à l'envers. Nous sommes mercredi 28. Il est 16h30. Et donc, mon petit stop motion de la poule vient de sortir. Bref, c'était hors sujet. Donc voilà, donc on lui met son petit déguisement.
vraiment ce concept, j'adore. Et surtout celui-ci, cette boîte, il y a énormément d'accessoires dans celle-ci, particulièrement celle de l'ours. Et voilà. Et donc, donc ça c'est le bijou. Donc j'ai rempli le seau des cookies, hein. C'était des petits cookies. Je vous les montrerai tout à l'heure. En attendant que je colle cet autocollant, si vous voulez plus d'unboxing, allez sur une autre de mes chaînes qui est Unboxing Studio. Donc voilà, ou Studio, ouais, Unboxing Studio. Donc je vous mets la chaîne dans la description et on reprend avec ce petit ourson. Hop, donc on lui met dans la main. Ah, ça tient pas. Ça tient pas, mais pourtant il le tient par là sur l'image. Bon, il tient par là, hein, voilà. Bon, c'est bon, ça tient plus. Donc on va pas perdre de temps, on va le mettre sur sa main plus tard. Je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai. Donc voilà, donc j'ai eu tout ça. Donc j'ai mis le petit panneau là qui tient dans la main, juste là, hein, parce que vraiment ça faisait... ça tenait pas. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ça là, ce petit endroit. Donc je pense que c'est pour tenir en fait, c'est exprès pour faire tenir la main. Donc voilà, donc ensuite j'ai eu plein d'autres accessoires, comme le petit pichet, le verre, la carte, le petit bijou, voilà, plein de petites choses, avec les cookies bien sûr, je vous en prendrai pour vous montrer, je vous avais dit que je vous montrerai. C'est un petit peu fou. Ah voilà, c'est net. Ah non, c'est redevenu fou. Bon, j'arrive pas à le rendre net. Donc, c'est pas grave. Hop. Oups. Tac, on le remet là-dedans. Donc, le petit pichet, le petit verre. Voilà. La carte, l'autocollant. Et voilà. Donc, voilà tout ce que j'ai eu dans toutes les boîtes. Donc voilà, donc j'ai eu les petites parts de gâteau, voilà. J'ai eu cette petite dame là. Voilà. Après, j'ai toujours pas compris à quoi servait ce truc là, donc j'ai toujours pas compris. Hein. Donc si vous savez, dites-le moi en commentaire ou sur Instagram. Le compte Instagram de la chaîne est dans la description. Hop, donc voilà, donc lui il a ses petits accessoires. Lui c'était la boîte la plus remplie, je pense. Après voilà, hein. Donc voilà, il y a plein de personnages. Donc au passage, il y a petit ça là, voilà celui-ci. Je l'ai pas déplié, hein, parce que ben il y avait ça aussi en plus, parce qu'il y en a un dans chaque boîte, voilà évidemment. Petite parenthèse, j'adore le fait qu'il n'y ait pas du tout. On n'a pas besoin de ça. Le fait qu'il n'y ait pas du tout beaucoup de déchets, donc il y a juste ce sachet, je pense que je les garde quand même pour remettre les accessoires dedans, mais là j'ai mis les déchets dedans, hein. Je pense que je vais les rassembler quand même, je vais les mettre dans un sac et je vais les remettre à la poubelle, donc je vais les remettre dans ces boîtes avec leurs accessoires, avec les accessoires de chaque boîte, hein, voilà, donc de celle-ci et donc voilà. Donc voilà, mais donc pour ceux qui veulent savoir, hein, j'ai eu tous les personnages que je voulais en fait. Bon, après il y en a d'autres que je veux, mais bon, en deux boîtes, j'en ai eu deux que je voulais. L'ours, je savais pas qu'il y avait, mais je le veux. Enfin, je le voulais. Et donc, ben, la sorcière, je la voulais déjà depuis le début parce que je l'avais vue sur la boîte, donc voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, surtout abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.